RCD, l'ombre de la terreur et de la peur planant sur la société, une menace réelle pour l'unité nationale. Équipage étranger en escapade de luxe à Montréal aux dépens d'Air Algérie. Un agent français des affaires étrangères perd la vie après un bombardement à Gaza. Diplomatie en ébullition, l'Algérie répond aux accords maroc russes RCD, les ombres de l'angoisse planent sur la société, une menace palpable pour l'unité nationale. Hier, à Agbou, dans la wilaya de Béjaïa, le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, Atman Mazouz, a pris la parole lors d'une conférence débat. Au fil de cette rencontre, il a minutieusement analysé la situation politique actuelle du pays. Les débats ont largement abordé la question des libertés. Atman Mazouz a souligné la détérioration des droits humains, les atteintes répétées aux libertés, ainsi que le non-respect de la Constitution et des accords internationaux. Selon un communiqué du parti rendu public samedi, le président du RCD, Atman Mazouz, a captivé une assistance nombreuse pendant plus de trois heures à la salle de cinéma d'Akbou. Au cours de cette rencontre, le conférencier a examiné la situation politique actuelle et les perspectives du parti à court et moyen terme. Les enjeux économiques, sociaux et internationaux ont également été abordés. Concernant la question des libertés, le président du RCD a rappelé la détérioration des droits humains, les atteintes répétées aux libertés, ainsi que le non-respect de la Constitution et des accords internationaux. Atman Mazouz a souligné que la terreur et la peur planant sur la société représentent une menace réelle pour l'unité nationale. Il a exprimé sa préoccupation face au silence, à la prison ou à l'exil qui semble être le destin de l'Algérien. Nous vivons actuellement une version atténuée de la décennie noire, où la mort était la terreur extrême opposée aux démocrates, a-t-il déclaré. En ce qui concerne les questions économiques, il a regretté la profonde chute du pouvoir d'achat des Algériens due à une inflation galopante, au déclassement social des couches moyennes et à des indicateurs économiques en déclin. Parmi les causes, il a pointé du doigt la faillite des structures de planification, l'instabilité du cadre juridique, le système rentier, la corruption et la bureaucratie étatique. Abordant les questions internationales, Atman Mazouz a souligné l'inefficacité de l'action diplomatique et la perte de crédibilité à l'international. Face à la situation au Proche-Orient et aux menaces au Sahel, il a conclu en affirmant que nous vivons une époque troublée et chargée de menaces contre notre pays, qui nécessite une sérieuse reconsidération de nos priorités pour la sauvegarde de nos intérêts diplomatiques. l'algérie réagit face au pourparler entre le maroc et la russie. en réaction aux entretiens récents entre le maroc et la russie l'algérie a rapidement pris position. le représentant permanent de l'algérie auprès des nations unies amar benjama a rencontré le représentant spécial du président de la fédération de russie pour le moyen orient et l'afrique le vice ministre des affaires étrangères russe mikhail bogdanov lors d'une réunion vendredi à moscou officiellement axé sur le renforcement de la coordination en politique étrangère en vue de l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour 2024 à 2025, le déplacement d'Amar Benjama a été confirmé par le ministère russe des Affaires étrangères. Les questions d'actualité de l'agenda international et régional ont été abordées, mettant l'accent sur la situation dans la zone du conflit palestino-israélien, ainsi que sur la situation en Afrique du Nord et dans la zone du Sahara et du Sahel précise le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Cependant, la visite d'Amar Benjamin à Moscou n'a pas bénéficié d'une large couverture médiatique en Algérie, se limitant aux publications du communiqué de la diplomatie russe. Il est à noter que Mikhail Bogdanov a rencontré à deux reprises, les 30 novembre et 11 décembre, l'ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchara. Plus récemment, Radio Algérie a accusé le Maroc et les Émirats arabes unis de financer des campagnes visant à compliquer les relations entre l'Algérie, le Mali et le Niger, deux pays où la Russie exerce une forte influence. Un drame diplomatique ⁇ un agent français des affaires étrangères décède à la suite d'un bombardement israélien à Gaza. Le 16 décembre, le ministère français des Affaires étrangères a confirmé le décès tragique d'un de ses agents, victime des conséquences d'un bombardement israélien à Rafah, dans la bande de Gaza. L'identité et la nationalité de l'agent restent non spécifiées, ajoutant une dimension poignante à cette perte. Paris a réagi avec fermeté en condamnant fermement l'attaque et en appelant à une enquête approfondie sur les circonstances entourant ce dramatique événement. Dans un communiqué émis par le Quai d'Orsay et relayé par l'AFP, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a exprimé sa profonde émotion face à la perte de l'agent, soulignant la nécessité d'éclaircir rapidement les détails entourant ce bombardement. Cette tragédie intervient alors que l'agent, au service de la France depuis 2022, avait trouvé refuge dans la maison d'un collègue du Consulat général de France, accompagné de deux autres collègues et de membres de leur famille. La maison a été la cible d'un bombardement israélien mercredi soir, entraînant la perte de plusieurs vies. Une partie de la famille de l'agent avait précédemment pu quitter Gaza pour la France grâce au dispositif d'évacuation mis en place par le pays, couvrant les Français présents dans la bande de Gaza, ainsi que les agents de l'Institut français et leurs ayants droit, comme l'a expliqué l'AFP. Montréal, le voyage de rêve de l'équipage étranger d'Air Algérie. Le dirigeant de la société a choisi de louer un avion de modèle Airbus A338 auprès d'une compagnie portugaise appelée Ifli. À partir du 15 décembre 2023, Air Algérie a commencé à exploiter cet avion. Cependant, les autorisations nécessaires pour les vols vers Paris et Jeddah en Arabie saoudite n'ont pas été obtenues, contraignant Air Algérie à le programmer uniquement pour des vols vers Montréal. Selon Algérie Par, le contrat d'affrètement stipule que l'avion doit être utilisé pendant au moins 280 heures pour rentabiliser l'investissement initial d'Air Algérie. Louer cet avion, avec une capacité moyenne de 300 places, coûte entre 11 000 et 15 000 euros par heure de vol. Malgré cette dépense considérable, en raison d'une gestion déficiente et d'une incapacité à anticiper les exigences réglementaires, Air Algérie ne peut pas utiliser cet avion portugais pour les aéroports parisiens ou saoudiens. En conséquence, il est uniquement prévu pour des vols vers Montréal, reliant Alger à Montréal le samedi et restant au sol jusqu'à mercredi avant de retourner à Alger. En plus des frais d'affrètement, Air Algérie prend en charge l'équipage portugais complet, composé de sept pilotes et 16 membres d'équipage de cabine. Ces coûts en devises sont particulièrement élevés pour une compagnie toujours déficitaire comme Air Algérie. Il est évident que cet équipage portugais profitera du programme de vol proposé pour faire du tourisme aux frais de la compagnie algérienne. De plus, la signature du contrat sans audit préalable de la compagnie et des pilotes soulève des questions sérieuses. Pourquoi affréter un avion sans en tirer profit, exposant ainsi Air Algérie à un préjudice financier majeur Selon Algérie PAR, le directeur des programmes d'Air Algérie a validé l'opération sans la vigilance nécessaire de la direction générale avant l'approbation de tels accords financiers et techniques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.